Et Madame Grisberg, vous avez 2 minutes au nom de l'ALE, ALDE, pardon. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Je tiens tout d'abord, en premier lieu, à m'associer aux remerciements formulés à l'égard de notre collègue Markus Ferber pour son rapport d'initiative. Permettez-moi d'évoquer mon point de vue sous deux angles. Tout d'abord, celui du fait que je me réjouis, c'est de mon soutien. En effet, tout d'abord, avec mon groupe de l'Alliance des libéraux et démocrates en Europe, je me réjouis que ce rapport nous donne dès aujourd'hui la possibilité de discuter, tout d'abord, du cadre juridique que notre Union devrait mettre en œuvre d'ici 2009 pour encadrer la libéralisation des services postaux. Et deuxièmement, je soutiens cette méthode qui nous permet une approche à la fois maîtrisée mais aussi équilibrée du processus de modernisation de ce secteur. Cependant, mes chers collègues, si cette libéralisation a pour objectif de poursuivre, comme on vient de l'expliquer, la modernisation du secteur d'activité et d'améliorer les services rendus aux clients, nul n'ignore l'enjeu de la réforme et aussi les craintes que se posent légitimement nos concitoyens quant au maintien d'un service de qualité et les craintes quant au maintien d'une couverture de l'ensemble des territoires, y compris les plus reculés. J'attends donc avec grand intérêt, bien sûr, moi aussi, l'étude d'impact économique que la Commission européenne doit rendre au cours de cette année, qui devrait être et sera fondée sur des données économiques fiables et après consultation de toutes les parties prenantes, des syndicats aux chambres de commerce et d'industrie, en passant en un mot par tous les partenaires sociaux concernés. J'attire également l'attention de la Commission, mais aussi bien sûr du Conseil, sur la nécessité de lutter, moi aussi, contre les distorsions de concurrence de toutes sortes, notamment pour ce qui concerne l'assujettissement de la TVA et l'harmonisation des taux. Enfin, et pour conclure, je compte sur la Commission pour proposer des mécanismes pertinents et justes de financement du service universel, sans préjuger des choix qu'il reviendra au Parlement de faire, puisqu'en dernier ressort, mes chers collègues, c'est au Parlement, notre organe démocratique, d'expliquer et aussi d'expliciter auprès des 450 millions d'Européens que cette Europe forte, c'est la leur que nous voulons construire ensemble. Merci.